Valsera, tu fais la politique pour ton ventre. Quoi? Tu fais la politique pour de l'argent. Tabla Libi, c'est le prochain président du Cameroun. Quoi? Tabla Libi, c'est le prochain président du Cameroun. Abbé Valsero, général Valsero, je ne fais pas de politique. Quoi? Je parle de politique, c'est très différent. Et cette affaire-là, d'avoir toujours à vouloir faire peur aux gens, en leur disant, tu fais la politique pour que les gens ne s'occupent pas des choses qui gèrent leur vie, c'est très dangereux. C'est avec ces comportements-là que tu as toujours appelé les gens à aller voter, ok? À un moment, lorsque tu le faisais, on chita avec toi. Et je comprends pas pourquoi à ce moment-là, tu m'as pas dit que je faisais la politique. Je m'interroge. Lorsque je faisais des émissions entières sur toi, lorsque j'étais avec toi sur des projets, je suis jeune et fort, je suis fort. Lorsque j'étais avec toi partout, je montais, je descendais avec toi. Tu dis que c'est un gars là qui est connu à Douala. Yes, mon frère, hey. Je ne suis pas Fariz Moumbagna à qui tu vas dire n'importe quoi, il va laisser. Moi, je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas appeler les avocats, je vais te traiter direct ici. Quoi? Et je vais te traiter en frère, en amour. Je ne vais pas te traiter parce que je vais te donner un coup bas. Je ne te donne pas de coup bas. Je ne veux pas parler de tes choses, du sexe, des enfants, de ceci. Je ne veux pas, je ne veux pas ça. Tu me connais. Je suis très noble pour ça. Yes, mon frère. Mais je vais te traiter de manière directe avec les choses droites. Oh, maman. Frangin, c'est toi qui fais la politique. Et c'est même toi qui fais la politique pour attendre quelque chose. Quoi? C'est toi qui fais la politique pour attendre de l'argent. Yes, mon frère. Yes. Moi, je suis un UPCiste. C'est-à-dire que si ça ne tenait qu'à moi, là, tous les Camerounais deviendraient ou seraient UPCistes, parce qu'en fait, c'est le seul vrai parti. Et Tabla Libi, justement, n'ayant pas eu cette approbation du parti de l'UPC, parce que lui, vous savez comment on a fait avec l'UPC, on l'a divisé. Cabral serait aujourd'hui, justement, la suite de Mouniabé et de Mouniabé et des autres dans l'UPC. Oh, maman. Et tu fais partie, justement, de ces Babylones, là. Qui ne voudrait pas ça? Ah bon? Et pourquoi? Parce que toi, au-delà de tout, au-delà de l'amour que tu prends, tu es un négri de première classe. Tu es quelqu'un qui ne voudrait pas qu'une autre personne réussisse ou dise des choses mieux que toi. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tu penses que c'est toi qui dois. Tu es égoïste, égocentrique. Écoute bien ce que je te dis, Bobo. Je te dis avec amour parce que je t'aime tellement. Celui qui t'aime ne peut que te dire la vérité. Et moi, je te le dis cette vérité-là. Partagez d'abord! Tu sais, moi, je ne traite pas avec le système. Je n'ai jamais attendu qu'on me donne les marchés, qu'on me fasse ici. Au-delà de tout le travail que je fais, je le fais sans médaille. Je n'attends pas qu'on me donne. Plutôt, moi, j'ai organisé pour donner des médailles aux autres. Pour donner des médailles aux autres. À toi, aux gens comme toi. À te mettre sous la lumière. Moi-même étant un artiste. Et toute ta vie, tu n'as que chanter pour un seul sujet. Un seul sujet. Donc si tu as fait 1000 textes, pour un seul sujet, tu veux tous dire la même chose. Pardon, ta maman vient. Mais est-ce qu'on t'en a voulu? Non. Alors, Frangin, nous te supportons. Même quand tu fais tes vidéos, je suis l'une des premières personnes à les liker, à les écouter. J'aime ce que tu dis dans certaines choses, mais pas dans tout. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tu ne peux pas tout connaître, tu ne peux pas tout savoir. Ça c'est clair. Tu n'es pas omniscient, tu n'es pas Dieu. Ça c'est clair. Et bien que tu penses seulement que tu connais plus que tout le monde, tu es dans l'idée. Ça c'est clair. Toi qui dis aimer les autres, pourquoi toi quand tu es sorti de prison, tu n'as pas fait que les autres te suivent? Parmi toute la maestria, toute la magie qu'on a fait, pourquoi toi tu sors de prison? Pourquoi tu n'as pas lutté pour ceux, tu parles de Bibou et des autres frangins? Yes, mon frère, yes. Arrête de faire ça, arrête d'être sélectif. Quoi? C'est vrai que tu en parles dans des directs, comme tout le monde peut parler. Tu me reproches ça, moi? Tu me reproches de... Moi, je lutte pour mon gars. Et mon frère, celui que je soutiens, dont j'aime l'idéologie, il s'appelle Tabla Libi. C'est le prochain président du Cameroun. Donc, il faut que tu comprennes ça, Valsero. Tu n'es pas le centre de la pensée. Donc, c'est toi qui dis, ce pays, tu es le jeune. Tu es le premier tueur de jeunes. Quoi? Le premier tueur de jeunes, c'est toi. Yes, mon frère, yes. Pour toi, personne ne doit penser quelque chose et tout. Et donc, il faut que tu s'élèves des gens, il faut que tu les casses. Et quand ils vont se remplir, tu vas dire, oh, je les aime. Moi, je t'aime. Sois grand comme tu es là-bas, je t'aime, mon frère. Mais tu es dans l'indem. Allez, ça. C'est parce qu'il y a quelques 2-3 félés qui te suivent, tu penses que... ok. Attention, hein. Attention, tu sais que je suis. Il n'y a personne ici au Cameroun depuis que tu comme moi, toi-même tu le sais. Aïe. Tout ce que tu fais là, toi, tu t'embrouilles. Aïe. Non, arrête ça. Arrête ça. Alors, nous disons, je dis nous quand je dis, parce qu'il y a plein de gens qui pensent comme moi, que Samuel Eto'o est la chance que nous avons. Seigneur Jésus, attendez un peu. Quand on vous dit qu'il a baptisé avec le système en place, j'ai envie de vous poser la question, qui parmi vous là, si on va regarder votre majorité là, vous ne venez pas de là-bas? Je m'interroge. Vous ne venez pas de là-bas? Je m'interroge. Vous venez faire des leçons à qui? Je m'interroge. Valsero, tu ne peux pas permettre aux gens de penser un seul instant que je soutiens les gens simplement parce qu'ils sont mes frères. Toi, même quand je te soutenais depuis que tu existes dans ce pays, qui a fait plus d'émissions avec toi où tu tirais à balles réelles sur l'establishment, sur le groupe présidentiel? Moi, j'ai fait des émissions. Ça m'a valu beaucoup de critiques, même dans ma propre chaîne, ok? Mais à aucun moment, je me suis arrêté. Ah, et à ce moment-là, je faisais quoi? Tu m'as maintenant dit que je faisais de la politique, je n'en faisais pas. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que je n'en fais pas. Mais je parle de politique, mais quoi qu'il arrive, je vais quand même continuer à dire ceci, que je soutiens Samuel et ton fils, parce que simplement, il fait ce qu'un jeune doit faire. Et dès que je te mets en branle pour le bonheur des autres jeunes, je ne veux pas savoir de la nationalité, l'ethnie, la région d'où il vient. Je vais simplement dire que je suis avec toi, frangin. Et justement, j'ai soutenu Samuel Eto'o lors de la campagne où on faisait justement un hommage, on rendait un hommage au grand monsieur qui est le grand footballeur qu'il est, à la grande entité qu'il est. Oui, justement, avec beaucoup de plaisir. Et à aucun moment, il fallait le faire parce que à tout prix, on était des frères, ou à tout prix, il fallait à tout prix que nous gagnions quelque chose.
de cela. Et je peux vous dire que je n'ai rencontré Samuel Eto qu'une seule demi, fois, je dis demi, parce qu'en fait, lors de ce deuil de son paternel, justement, je suis allé accompagner Auguste Rim, l'ex chanteur de Ex-Maléa, qui allait justement à sa rencontre. Et il fallait qu'il soit accompagné par son grand frère que je suis, parce qu'en pleine promotion, il est venu à la radio. On est parti de la radio pour aller justement à ce deuil-là. Et je me rappelle très bien que c'est ce jour, cette première fois, que lorsque Samuel est venu saluer Auguste Rim, que je l'ai embrassé aussi, mon frère, avec beaucoup de plaisir. Parce qu'en fait, depuis toutes ces années, je ne l'avais jamais vu et je n'en fais pas un problème, puisqu'en fait, il ne s'agit pas de soutenir un être humain. Ce n'est pas au niveau de l'être humain. Pour vous qui êtes peut-être petit, c'est pour vous. Mais pour moi, pour nous qui sommes élevés, c'est un esprit, c'est une énergie. Mais non, je ne veux pas savoir qu'il soit positif, qu'il soit négatif dans sa vie privée. Je ne veux rien savoir. Je veux savoir qu'est-ce qu'il pose comme acte dans ce qui est bien pour la société, pour le football, pour le devenir du Cameroun, pour la jeunesse du Cameroun. Je suis avec toi. Maintenant, qu'on dise que oui, il a été avec l'establishment, avec les élections 2018. Mais excusez-nous, combien, Valcero, ton gourou à toi, il sort d'où? Les gens qui t'entourent, ils sortent d'où? Est-ce qu'il faut être sélectif à ce niveau? Et j'ai bien envie de te dire, est-ce que justement, lorsque toi tu dis cette phrase, que lorsque le moment de la révolution arrive, tout ce qui est positif et qui peut faire évoluer la révolution, nous partons gagnant avec ces actions-là. Attention, faut pas faire d'amalgame, Valcero. Faut pas faire d'amalgame. Je reviens sur Cabral Libi, c'est mon frère. Libi Lingué, écoutez Lingué, je suis Lingué Nguyen. Donc Cabral est mon frère et je suis content de le soutenir parce que voilà quelqu'un, voilà un ignoré, voilà quelqu'un qui s'est sacrifié comme un malade, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer parce que j'ai la chance justement moi de causer avec ce grand homme. Quelqu'un qui a décidé justement de prendre la cause de la jeunesse et de la mettre au centre de sa vie. Et son slogan, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît son slogan. Être au centre, justement, des vies de ceux qui nous entourent. J'ai bien envie de rappeler à Valcero. Rappelle-toi, Valcero. Lorsque 2018 arrivait, je te disais, François, cherchons un jeune à qui nous devons soutenir. Parce qu'il faut donner la force aux jeunes. J'étais appelé au téléphone. Rappelle-toi. Quelques jours plus tard, j'ai eu dire que tu avais déjà signé un contrat avec le parti avec lequel tu marches aujourd'hui. C'est toi qui fais la politique. C'est toi qui fais la politique. Et tu fais la politique pour ton ventre. Tu fais la politique pour de l'argent. Je n'attends aucune portion conclue de qui que ce soit. Déjà que moi, j'ai rien à voir avec le système. J'ai rien à voir de marché qui est avec le système. J'ai rien à voir. Je fais pour mon pays. Et le jour même que tu entendras que j'ai fait ci, je le fais pour le vert ou jeune Camerounais. Parce qu'en fait, le Cameroun n'appartient pas à un parti. Le Cameroun appartient à tous les Africains. À tous les Camerounais, pardon. À tous les Camerounais. Donc fais gaffe dans ce que tu dis, François. Si tu veux me laisser en bamba, comment dire ça? Tu veux me mettre au centre du monde pour rire de moi, mais tu es malade. Tu sais à qui tu as affaire, Valcero. Tu sais qui je suis? Tu me connais? Hein, bon, tu me connais très bien. Hein, bon frère, tu sais bien de quoi on parle. Alors fais gaffe quand tu parles de moi. Moi, je suis même, je ris parce que je sais que. Bienvenue chez Ekima Construction, votre société de vente et de matériaux de construction. Ekima Construction fait aussi dans la fabrication des meilleurs parpaings au Cameroun. Faites vos achats chez Ekima Construction et quelle qu'en soit la ville où vous êtes en train de bâtir, Ekima Construction doit vous livrer dans les brefs délais. Ekima Construction est le numéro 1 dans la fabrication des meilleurs parpaings au Cameroun. Ekima Construction est numéro 1 en distribution du ciment Dangote au Cameroun. Ekima Construction est basé dans plusieurs localités dans la ville de Douala, à Dobon, en face du collège Dauphine, à Lopom, au Carrefour William Adem et à Lengzi. Téléphone 00237 677 31 90 et 43. Faites juste un tour par curiosité et vous ne serez pas déçus. Tu blagues, mais il ne faut pas traverser parce qu'en fait nous sommes frères. Parce qu'en fait, nous sommes dans le même camp. Le camp qui veut que les choses changent pour les jeunes Camerounais. Mais quel est ce jeune qui tue les jeunes? Lui-même, alors qu'il chante que ce pays tue les jeunes. Mais c'est toi qui tue les jeunes. C'est toi. Dès lors que quelqu'un ne pense pas comme toi, ne fait pas comme tu penses que cette personne est agitée. Attention, l'aigri, c'est toi. L'égoïste, c'est toi. L'égocentrique, c'est toi. Fais gaffe, frangin. Fais gaffe. Bon, quelques deux, trois fêlés qui te suivent et tu penses que oui, tu es. Mais rien, mon frère, mais c'est toi qui fais de la politique. Même la musique, tu la fais pas. Tu fais la musique pour de la politique. Ok? Tu as fait un spectacle que j'ai soutenu. Ok? Tu as eu toute une salle remplie, mais simplement parce que tu chantes les choses que ces gens aiment écouter, qui sont des choses politiques. D'accord, c'est une bonne chose. Mais tu peux chanter autre chose. Tu peux chanter l'amour. L'amour, c'est ça que j'en attends que tu chantes. Tu prends l'amour tout le temps, chante un peu l'amour. Chante l'amour pour ta fille. Chante l'amour pour tes gosses. Frangin, tu peux pas. Je suis pas sûr que tu auras même un disque de sable, pour ne pas dire un disque de terre. Fais gaffe, frangin. Fais gaffe. Ne fais pas ça. Ne nous amène pas là-bas. Tu veux nous distraire. Frangin, tout jeune qui ne supporte pas, Samuel Eto'o ou Cabral Libi est dans le dème. Il est dans le Cabral Libi et aujourd'hui, à ce moment-ci, sont comme Sonko et Bassirou du Sénégal. Ils sont comme ça. Parce qu'ils ont osé dire non. Ils ont osé dire non. Et en tant que tel, c'est tellement logique. C'est tellement logique. On est dans une lutte où on doit pouvoir arracher notre liberté, mais de manière républicaine. Allez au vote. Il faut aller au vote. Il faut que les gens aillent s'inscrire massivement dans la liste électorale. C'est ça le but du jeu. Il ne faut pas distraire les gens. Les jeunes doivent aller s'inscrire. C'est ça le jeu. Donc il ne faut pas t'amuser à vouloir me donner le nom de ce que je ne sais pas. Frangin, je supporte mon frère et c'est pas un souci. Je veux pas, moi je ne suis pas un hypocrite de penser que tel est mon frère et que je ne dise pas de bouche ici parce qu'on va dire que je suis tribaliste, mais vous êtes malade. Plein je dis que Cabral c'est mon frère, plein je dis que Eto'o c'est mon frère et j'en suis fier. Et moi je suis pas le frère de qui? Qui n'est pas mon frère? Mais vous êtes malade. Est-ce qu'il y a des ennemis en Afrique? Ce n'est pas Babylon qui veut nous diviser. Est-ce que tu connais la carte du Cameroun? À l'époque, il y a beaucoup d'années, quelqu'un veut nous diviser, il veut
mettre des frontières et des limites autour de nous et on commence à. Frangin, c'est Babylone qui fait ça pour mieux diviser, pour mieux régner. Et moi, je ne peux pas me diviser de toi parce que je t'aime, tu es mon frère. Tu sois dans le thème, comme il n'est pas permis, je vais te ramener dans le bon sens. Tu crois que le petit bangala que tu fumes, ça vient déranger ta tête, hein. Ne dis plus jamais les conneries sur moi, frangin. Je ne suis pas un gars qu'on connaît seulement à Douala, mais tu es malade. On me connaît dans ce pays pour ce que je fais tous les jours. Je n'ai jamais arrêté. Jamais arrêté de positionner, de proposer, d'exposer, d'amener la qualité du talent camerounais. Parce que c'est pas la culture que le combat commence. C'est pas la culture que le combat commence. Et mon but, il est africain. Il n'est même pas. Le Cameroun est tellement petit. Moi, je suis un UPCiste. Je suis UPCiste, Valsevo. Parce que c'est l'UPC qui est le véritable parti au Cameroun. Si ça ne dépendait que de moi, tout le monde deviendrait UPCiste. Et justement, ce parti-là devait célébrer Cabral Elbi, ok? S'il n'était pas divisé, parce qu'il a été divisé par Babylone, justement, pour que nous ne soyons jamais unis. Pour qu'un génie comme celui-là, éclairé comme celui-là, soit entouré de ses pairs. Ok? Nous, on l'a divisé, il est où le parti? Est-ce que tout le monde devait être. On devait parler d'autre chose? On devait être ensemble. Non, aujourd'hui, être UPCiste, tous les Camerounais doivent être UPCiste, parce que ce n'est pas seulement l'idéologie d'un parti, l'idéologie de tout un univers. L'univers, l'environnement camerounais, où les Camerounais doivent se sentir à l'aise et unis dans tous les sens et dans tous les coins. Oui, monsieur. Donc, je vais arrêter de dire que je suis un bassin, parce que j'ai peur d'un bassin, comme dirait. Attention, hein, on a tout. Mais avant de clôturer la vidéo, chef fan, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application TapTapSense, votre application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc avec TapTapSense pour envoyer de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer, aller devant les microfinances, les tracasseries dans les banques. Avec TapTapSense, tu utilises juste ton téléphone, tu télécharges TapTapSense, tu paramètres. Lors de ton premier envoi, utilise mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi, tu bénéficies de 5 euros si tu vis en Europe. Mais si tu es aux États-Unis, au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. Voilà. Donc, utilisez mon code promo TapTapSense. C'est le meilleur code promo. Hein. C'est le meilleur code promo dont les autres codes promo là. Et pour moi, ça se renouvelle. Hein. Donc, TapTapSense, c'est le meilleur. Je vous aime. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, pour mon lecteur. Si ça te plaît, mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je veux avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je veux avec mon iPhone. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. Je tiens juste à vous rappeler qu'ici sur terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Fredeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi, je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong?